What's up gang, c'est Coach Gab, IFBB Pro. Présentement, on est à 7 week out du D3 Pro. Dans le fond, hier, j'ai eu une grosse journée haute en glucides. Je me suis rajouté 400 g de glucides dans ma diète. Plus, j'ai eu un Subway avec des chips au four, un sac au complet, 177 g. Puis les macros sont vraiment bons pour vrai. 6 g de gras par 50 g avec 37 g de glucides. Vraiment bon les macros. Présentement, dans le fond, je fais quelques ajustements à ma diète, mon protocole. Dans le fond, j'augmente un petit peu mon clean, puis je me suis rajouté un peu de UN Bind matin, après-midi, une caféine mixée avec du UN Bind puis de la caféine. Une tablette mixée UN Bind caféine. Pourquoi? Parce que le UN Bind joue sur l'alpha 1 récepteur, ce qui veut dire que ça va augmenter l'influx sanguin dans les parties que tu en as moins. Ce qui veut dire les parties qui sont plus dures à perdre du gras, tu vas avoir plus de sang qui circule, fait plus de risque de perdre du gras dans ces parties-là. Puis combiné avec de la caféine puis du clenbutérol, ben c'est un super bon mix. Fait que c'est mes ajustements pour cette semaine, pas des gros ajustements. Je vous montre à l'instant aussi mes photos de ce matin à jeun. La condition est là, c'est sûr qu'il fait un peu noir. Mais pour vrai, la condition est, ça accroche. Je suis vraiment content. Là, on va aller faire un petit entraînement de bras. Fait que je déjeune. J'ai pratiqué mon transverse. J'ai fait aussi mon cardio. Je m'en vais déjeuner. Je prends mon pré-workout. Je m'en vais au gym. Je m'entraîne. Je vous montre tout ça à l'instant, dans le fond. Fait que on y va. Bon, là, j'ai pris insuline, L-carnitine, pré-workout avec mon carbolin, IGF-1, IA, citruline. On s'attend à faire une méga pompe de bras, surtout que hier, grosse journée, riche en glucides et en sodium parce que j'ai eu un petit cheat. Fait que on va pomper puis on check le look. J'ai même un petit tank top pour quand je vais être bien pompé. Bon, je sais que je vais vous gosser avec cet exercice-là, mais tout le temps, mon petit giant set. Là, c'est avec la Vulcan. Wide grip. Fait que prise éloignée. 15-20 reps. Close. Rapproché. 15-20 reps. Derrière la tête. 15-20 reps. On va pomper au max. Premier exercice. Hey. Ah, 14, 7, 18, 9, 20. Dos, quinze, j'ai fait un set puis je suis déjà pompé. Super important, rester hydraté. Carbolin, EAA, sel rose, puis c'est pas mal ça.
Tac. On va faire 5-7 total. Ça en fait 2 que je fais. Je suis rendu tellement sec que je fais plus d'eau dans les doigts. Ma bague, j'ai peur. 5-7 total. Ça va faire environ entre 55 60 reps par 7. C'est un giant set. X 5. Pas loin de 300 reps. Troisième set, j'ai monté à charge. Faut vraiment que j'aille chez le barbier. J'y vais aujourd'hui. Quatrième set. Vraiment dur. Oh, la pompe est insane. Cinquième set. All out. On monte encore la charge. Bon, là maintenant qu'on est pompé, on va aller vers un compound mouvement. Ça ressemble un peu à close grip, prise rapprochée, bench, press pour développer les triceps, mais je vais le faire à la machine dips assistée parce que je le sens mieux. Puis honnêtement, si tu sens mieux de quoi, ok, t'es tout le temps mieux d'y aller vers l'exercice que tu sens le mieux versus, exemple, si tu sens pas un exercice, ok, tu développeras pas ton muscle comme du monde, fait que c'est ça. Puis gang, vous voulez des gros bras? Je mets un programme d'entraînement dans la description, gratuit, totalement gratuit, de bras. En plus de ça, je vous donne aussi une technique que vous pouvez faire, secrète, pour augmenter le size de vos bras. Fait que n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour le télécharger. Fait que là, on y va lourd, maximum contraction. Deux. Trois. Quatre. Un. Quand ton muscle est bien pompé,
bien plein de sang, c'est là que c'est le temps d'aller vers un mouvement plus lourd. Okay, il est prêt à prendre la charge. Puis comme ça, tu vas mieux sentir ton mouvement. Bon, deuxième set. C'est lourd. Bon, troisième set, on a monté la charge. Là, on va faire des partiels à la fin. Bon, dernier set. Bon, Skull Crusher Machine ou Lying Tricep Extension Machine. 15 à 20 reps. All out. C'est important de bien aller dans la partie tirée. By the way, gang, je sors dans pas long un e-book sur la résistance à l'insuline. Alors, tous ceux qui veulent augmenter leur sensibilité à l'insuline, qui veulent progresser, qui veulent gagner la masse musculaire, il va être disponible sur mon site internet qui sort prochainement. Fait que tous des gros projets, je vais vous annoncer de plus en plus de projets qui s'en viennent. Fait que n'hésitez pas à écouter mes vidéos et à m'écrire en privé si vous avez des questions. Bon, deuxième set. Max partiel. Bon, quatrième set, le troisième n'a pas filmé. All-in, dernier set. Max partiel. Bon, prochain exercice, un peu de biceps. Hammer curl avec la corde, au câble. Une rep et demie, 12 à 15 reps. Super important. Faire une flexion des coudes et
Et il faut vraiment que tu lèves aussi l'épaule. Faut que tu amènes la corde jusqu'au menton. Fait que... Ouh, la pompe est là. Ouh, je suis rond. Deuxième set. Bon, troisième set. Bon, quatrième set, all in. Bon, prochain exercice, curl au câble avec la Easy Bar en superset avec des reverse. C'est pas important pour les avant-bras. Le brachial, c'est ça qui va faire le pic de biceps. Checkez ça, comment je suis dry, le crispy street. Si vous voyez, je vais vraiment tranquillement, vraiment focus sur le bicep. Très léger, c'est vraiment la pompe. La pompe va être un indicateur si ton muscle travaille ou pas. Juste pour vous dire, mon avis, je pense que bulker hors saison, c'est important. Je ne veux pas de même à l'année.
je fais des bulles, mais maintenant, je me tiens sec à l'année. Parce que j'ai la masse pour me tenir sec. Je veux juste améliorer quelques points faibles. Tu sais, si tu veux grossir un maximum, il faut que tu bulles, que tu manges beaucoup, que tu t'entraînes dur, que tu récupères beaucoup. Tu sais, honnêtement, c'est super important. Manger, c'est une erreur que j'ai faite au début, de pas manger. Important l'élévation de l'épaule. Si tu veux avoir des gros biceps, pas juste faire ça, de la flexion du coude. Super important, gang, les nez une fois par année, parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de gagner un maximum de 16, parce que votre corps va être sensible à l'insuline au maximum. C'est là que vous allez gagner le plus de masse musculaire. Dernier set. On a monté la charge. Bon, un set all out, 50 reps. Bon, on a fini le training. Dans le fond, pas besoin de faire une vidéo de posing. Je vous ai mis les updates d'un matin dans la vidéo. Je vais vous mettre aussi les calories de toute ma diète actuelle à l'instant. Dans le fond, premier repas, ça reste 2 œufs, 350 ml de blanc d'œuf, 75 g de crème de riz pesée sec avec 100 g de bleuet, tout le temps à cannelle, etc. dessus. Pour vrai, crème de riz, Active Flavor, la meilleure sur le marché. Pré-workout, 25 g de carbolin avec 10 g de EA, 10 g de créatine, 10 g de citrulline. Intra-workout, 50 g de carbolin, 10 g de EA. Post-workout ou repas 2, fait que dans le fond, je mange aussi mes journées que je ne m'entraîne pas. Je le mets post-workout celui-là parce que j'ai de l'humalog prêt pour couvrir. 75 g de crème de riz, 70 g d'iso. Repas 3, qui est 250 g de poulet, 100 g de légumes. Repas 4, 250 g de poulet, 100 g de légumes. Je mets tout le temps un quart de cuillère à thé de sel rose sur chaque repas. N'oubliez pas ça. Avec repas, avec pré-workout 2, 25 g qui est 20 minutes encore avant mes entraînements, 25 g de carbolin avec 10 g de EA, 10 g de créatine, 10 g de citrulline, intra-workout, encore 50 g de carbolin avec 10 g de EA, repas 5 ou post-workout 2, qui est 75 g de crème de riz, 70 g d'iso. Les journées que je fais des jambes, j'ai de l'humalog aussi après l'entraînement. Puis au lieu de 75 g de crème de riz, c'est 100 g de crème de riz avec une banane, OK? C'est ça que je m'ajoute. J'ai un petit peu plus de glucides les jours que je fais des jambes. Juste mon entraînement de jambes. N'oubliez pas que je m'entraîne deux fois par jour. Des fois, c'est le matin. Des fois, c'est le soir que je fais des entraînements de jambes. Puis repas 6, qui est 250 g de poulet, une cuillère à soupe d'huile d'avocat,
100 g de légumes. Des fois, je mets des nu pasta aussi. C'est des nouilles de konjac, ça a 25 calories par le paquet. C'est juste pour me sentir plus full. C'est un petit truc pour tout le monde. Puis après l'entraînement, là, je vais en prendre deux Synermag de ATP, c'est du magnésium glycinate avec de la taurine, pour relaxer le système nerveux, détendre les muscles, fait que aider à la récupération. Le magnésium a plusieurs rôles dans le corps. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté cette petite vidéo-là, update de ma diète, protocole, etc. OK, on est présentement à 7 semaines du D3 Pro. N'hésitez pas à cliquer dans la description pour avoir votre training de bras et comment avoir des gros bras. OK, je vais vous donner des petits trucs. N'oubliez pas de liker, commenter. Écrivez en commentaire aussi ce que vous voulez voir de plus dans ma vie. Partagez un max et inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer les notifications. Merci tout le monde.